L'idée, c'est de vraiment proposer à tous les habitants de Strasbourg, notamment des quartiers environnants, de l'activité physique de manière régulière. Alors, moi, l'année, avec deux autres collègues, on est affectés à plein temps avec les classes transplantées. Donc, des scolaires qui viennent toutes les semaines pour s'initier au sport de pleine nature, mais aussi à tout ce qui est les gestes éco-responsables du sportif. Et l'été, on propose des animations de plage avec une action comme aujourd'hui un peu spécifique avec les pompiers. On est sur la semaine de la santé. Et les pompiers étant les garants de notre sécurité et de notre santé, l'idée c'était de les accueillir et de faire connaître, de revaloriser le travail des pompiers auprès du public du quartier. Bah alors les jeunes ont l'air très motivés, ils sont intéressés par les différents ateliers proposés, il y a une bonne ambiance. Sadek Ketab, éducateur sportif, maison sport santé. Et en fait, on s'occupe, on prend en charge des enfants et les adolescents qui sont en situation de surpoids ou d'obésité. Les sortir un petit peu aussi de leur quotidien. Cet après-midi, il y a du canoë, c'est aussi ça qui les a attirés parce que voilà, ils n'ont pas l'habitude de faire des activités aquatiques. Bah, on a fait du parcours, de la course de relais et on a fait pour sauveter les gens. Ils nous ont appris les sécurités au cas où s'il y a des gens qui ne vont pas bien ou des trucs comme ça. Moi ce que j'ai préféré c'était le parcours. La danse. La danse. C'est la course d'orientation. C'était bien, c'était drôle. Donc je suis là aujourd'hui au Baguerzé pour animer un atelier avec des jeunes. J'aime bien pouvoir transmettre aux jeunes, parce que souvent il y a une mauvaise image des fois sur le graffiti, sur le street art. Du coup leur montrer les bonnes bases, leur véhiculer une image positive de ce mouvement. J'ai fait la marche l'autre jour. Ah, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait ce matin parce que j'aime cette gymnastique dynamique avec les différents stades. D'abord un peu d'échauffement, un peu de cardio et puis des étirements à la fin. Des petits ateliers que j'adore. Toujours un réel plaisir, presque un besoin pour moi. J'aime bien les activités, je suis venue souvent ici, j'en ai bien profité.